des escapes, des bitches. Salut tout le monde, c'est Geto. Je suis Donald Trump et je vais jouer à Star Wars. J'adore Star Wars, c'est un putain de jeu. Que la force soit avec vous. C'est parti, mes amis. Alors, ça rendait plutôt pas mal sur l'eau, donc on va peut-être continuer là-dessus. Sur ce fait-là. Donc, c'est parti. Oh là 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 là. Je crois que je m'étais fait aggro, mais non, ça va. Alors, faut aller rejoindre. On va aller rejoindre le seigneur sadique. Il a un nom de sadique, le seigneur sadique. Donc voilà. Oh, il y a du monde ici. Vas-y, faut tourner par où? C'est quoi ça? C'est une Lorraine. Je sais pas quitter mon pote, mais j'ai certainement pas envie de te parler. Ah! Ah, il m'a fait peur avec ses blasters. Ah! Que je me trompe pas. Attends, parce qu'ici c'est hyper grand. Non, ça va, je suis dézoomé à fond. Mais ici c'est super grand. Ah, faut tourner. On va tourner là. On va tourner par là. Vu que c'est super grand ici. Pou, 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 pou. Ah, j'ai aggro un type là. Ah, il va faire mal, l'enculé. On va faire tout le tour en plus. Pardon, pardon. Non, merde. Merde, 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 merde. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ah ouais, j'ai pas le bump, merde. Tu vois, je croyais que j'avais le bump, mais j'ai pas le bump en fait avec celui-là. C'est parce que j'ai un autre perso qui a le bump et je pense toujours que celui-là il l'a, mais il l'a pas en fait. Parce que je joue deux autres persos en attendant quand je peux pas enregistrer sur celui-là, et les deux autres ils l'ont le bump en fait. C'est un petit coup de pied laser, un petit high kick des familles. Ah ouais, par contre, va falloir traverser cette grosse merde qu'il y a là-bas. Comment ça, il y en a encore un? T'es en train de te taper contre qui, ma fille? Non, mais parce que je t'explique qu'on a une mission à remplir, hein. T'es pas censé tuer tous les impériaux que tu vois. On est quand même des Jedi, quoi. Je veux dire, si tu tapes vraiment tous les impériaux, on est vraiment dans la merde. Pardon, pardon, messieurs les impériaux, pardon, je fais que passer, vous êtes pas obligés de vous déplacer, faites comme si je n'existais pas, et merde, bande d'enculés. Bon, je vais me faire lui, il est tout prêt. La vie de tes potes, ils sont derrière, je pense, donc... Ah, dis-moi, t'es quand même pas mal résistant, hein, mon bonhomme. Je veux pas dire, mais... Hey, t'es quand même bien résistant, hein. Enfin, oh putain, pourquoi j'ai pas utilisé le saut, sérieux? Puis toutes mes capacités commencent à être cramées, là. Je fais un saut dégueulasse pour te tuer, mon gars. Ça te dérange pas, non? Bon, tant mieux. Bon, alors, si je dis pas de bêtises, c'est bien par là. Je vais vous dire ça, hop hop hop. Oh, regarde là. On va se faire attaquer, voilà. Tout ça pour ma cupidité de récupérer des trucs, des cristals. Hein. Soit disant que ça s'appelle des cristals Kyber. Alors je sais pas le nom exact, moi j'appelle ça des petites pierres lumineuses. C'est beau, c'est joli, ça fait de la musique. Alors, la question est de savoir si Star Wars passera pendant la période de Noël ou pas. J'ai hésité à mettre un Père Noël, tu vois, mais je me suis dit, ouais, ça se fait pas. Ou un cadeau. Mais après, est-ce que ça passe pendant la période de Noël?
tout. Le problème est là. Je ne sais pas quand passera Star Wars. J'ai été bloqué. Je ne sais absolument pas quand passera Star Wars. C'est ça le problème. C'est que je les programme et j'ai perdu le fil de quand étaient programmés les Star Wars. Donc à l'heure actuelle, celui-ci est déjà programmé, mais je sais pas pour quand. Mais il est déjà programmé. Mais à l'heure actuelle... Oh, il y a du monde. Ok, voilà, ça m'apprendra à stagner ici. Ça m'apprendra à stagner ici, voilà, 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 voilà. J'ai réveillé des espèces d'exécuteurs, là. Ça m'apprendra à stagner ici. Tiens. Pour l'Amérique. Pour la Maison Blanche. Pour Donald Trump. Ah, il est là, ma face de Jedi. Vas-y, je vais... Oh, eh, oh, ah, hein, bon, d'accord. Ceux-là, ils sont, les geôliers de prison, ils sont vachement cheatés, je trouve, hein. Ils sont plus résistants que les autres, hein. Ceux qui sont en armure comme ça. Je les trouve beaucoup plus résistants que ceux qui n'ont pas d'armure, personnellement. Pouloulou! Est-ce qu'il y a du monde? Pour l'instant, oh ouais, il y a du monde. Oh, c'est horrible. Regarde-moi tous ces geôliers là-bas! Vous défendez quoi, les mecs? Ah, je vais faire un saut, mon gars. Faire du Mawashigiri là. Ah ouais, non, mais là, je sais même pas, là, mec. Hein. Les gars, vous êtes trop nombreux là. Hein. Je veux bien que j'ai la force et tout, mais... Il en reste un. Il en reste un, Germaine, là. Fais quelque chose. Fais une prise, là. Un truc, machin. Tu l'as eu. C'est bien. C'est bien, jeune Padawan. Je ferai des rapports à ton maître comme quoi que tu m'as bien aidé sur cette mission. C'est bien. Ah, le Seigneur, il est là. Ouais, c'est ce qui paraît. Il est plutôt grand, je dois le reconnaître. Ah, lol, elle fait des blagues. Ah, c'est une intelligence artificielle en fait, d'accord. Oh. Bien sûr, il est chaud, lui, il y croit. Agent Gallen, vous n'êtes toujours pas mort. Ah, il repète un câble. C'est vous qui avez le contrôle, Gallen, pas lui. Vas-y, résiste. Non, t'as pas le pouvoir. Mais oui, bien sûr, ils disent tout ça. Plus maintenant, plus jamais. Je suis dans votre camp, Jedi. Finissons-en. Oh, il est avec moi, il est avec moi. Vas-y, suce à l'ennemi. Suce à l'ennemi. Suce à l'ennemi. On va en terminer, là. Suce à l'ennemi, allez! Pour la République! Non, mais tu me tomberas pas, mon gars. Moi, je suis un vrai chevalier de Jedi. Moi, j'ai repoussé une invasion de déchiqueteurs au temple Jedi. Donc, tu me tueras pas. Et puis, j'ai tué un Sith. Non, j'ai en tué trois, je crois. C'est quoi, c'est le... Oh, il est derrière.
C'est notre travail de Diaz vous a équipé d'un mouchard au sujet. C'est une procédure standard. Ne le prenez pas mal. C'est bien fait. Ça vous apprendra à détraquer ma pensée. Nous aurions voulu. Ah, vous pouvez voir que le menu en haut vient de s'afficher au-dessus de ma tête. Parce que j'ai fait de la merde avec la machine. Qui sont ces soldats? C'est l'escouade de l'étoile noire, les spécialistes en opération spéciale. Bon, Garza les a mis à disposition pour le général Vasutra. Nous allons démolir cet endroit et faire en sorte que l'ennemi. Je mourrai en même temps. Vous êtes différent. Je suis dangereux. Non, c'est vrai. Attendez, on va régler le problème du machin. Bougez pas, j'en ai pour 2 secondes. Voilà. J'en avais pour 2 secondes à régler ce problème-là. Voilà, le problème étant réglé, ça a disparu. J'appuie sur une petite touche magique. Bah oui, t'as pas changé, mon gars. Ne laisse pas tomber ces agents. Nous vous aiderons. Faites-moi juste sortir d'ici. Lieutenant, préparez-le pour l'extraction. Préparez-le pour l'extraction, lieutenant. Dites, j'ai trouvé les fichiers des super gardes. Il y a même des notes qui expliquent comment les sites les contrôler. Qu'est-ce qu'on fait? Gardez tout. Faites-en une copie. Envoyez-la à vos supérieurs. Nous pourrons peut-être en tirer quelque chose. Pour une fois, nous sommes du même avis. Devriez voir ça avec le général Varsutra. Nous serons juste derrière vous. On doit juste planter ces charges incendiaires. Je dirais bien que ce fut un plaisir, mais adieu. Ok, d'accord. Ouais. Non, mais ce fut pas un plaisir avec toi. T'as été un gros connard de base. Et puis voilà. J'ai eu aucun plaisir à travailler avec toi. Je suis désolé. Donc utilisez l'holonet de votre vaisseau. Donc on va se rendre à notre vaisseau. Par le biais, est-ce qu'on sortirait pas peut-être comme ça, peut-être parce que c'est pas mal. Il faut utiliser le lunette de notre vaisseau. Hop, attendez, il est où le secteur spatial? Alors je crois que c'est le secteur Nikto, non? Non, c'est là. J'ai cru pendant un temps que c'était le secteur Nikto, mais non, c'est pas le secteur Nikto, c'est là-bas. Ce n'est absolument pas le secteur Nikto. J'ai cru fut un temps que ce serait le secteur Nikto, mais ce n'est pas le secteur Nikto. Donc soi-disant ce serait ici. Ah, effectivement c'est ici. Effectivement c'est ici. Hop. Sors le petit speeder, on y va. On y va en petit speeder. Alors, droite ou gauche? Je partirai sur la droite, mais ça tombe, ça va être à gauche, tu vas voir. Ouais, ça va être à gauche. Effectivement, c'est à gauche. Donc nous partons. Hop là. Ouais, ça doit être celui-là. L'autre, il est full stuff, je sais pas ce qu'il vient foutre ici, honnêtement. Honnêtement, le mec, il est full stuff, il vient glander sur... c'est quoi le nom de la planète déjà, Narshada? Ouais, j'étais pas sûr du nom de la planète. Ah, c'est mon hangar, ça? Dites, tiens, c'est un hangar. Ça doit être le mien, celui-là, non? En fait, tu sais pas si c'est ton hangar. Ah, si, c'est le tien. C'est ton hangar. Ah, 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 c'est ton hangar. Bah effectivement, c'était bien mon hangar. Effectivement. C'est par là que c'est mon vaisseau, vous êtes sûr là? J'ai pas l'impression. Ah si, c'est le Red Tagada! Regardez comme le Red Tagada est puissant. La puissance incarnée des Jedi dans le Red Tagada. Hop, on y va. Cette magnificence, cette puissance Jedi, vous la ressentez, mesdames et messieurs? Moi, je la ressens. Tous les matins, je vais le laver à l'éléphant bleu.
Quand tu laves un vaisseau comme ça, l'éléphant bleu, je te raconte pas. Ça les voit! Regardez cette cette magnifique frise. Trump, il a un problème. Alright, man. Right. Arrête les conneries, bordel de merde. Cette magnifique console. Appuyons sur le bouton. Ah merde, excuse-moi, j'avais oublié, bah excuse-moi, oui. Non mais bah, cas où ? Ouais, j'avais oublié que tu voulais que je... Oui, pardon. Pardon, il s'est passé tellement de choses entre temps, mon gars, que je suis désolé. Ah bah, moi je suis qu'un Jedi, hein. Bah ok, ouais, tu veux que ça me fasse quoi? Les Jedi ne mentent pas. Si quelqu'un me pose des questions à ce sujet, je ne mentirai pas. Voilà, les Jedi ne mentent pas, c'est tout. Discrétion sur quoi? Ah. Ils avaient l'air très proches. Qu'est-ce qui a changé? Je n'en suis pas sûr, mais l'amiral a pris la fuite. Ça reste à confirmer, mais la tête de Hacklin aurait été mise à prix. Comment ça, la tête de Hacklin aurait été mise à prix? Comment ça? Comment ça, elle aurait été mise à prix, la tête? C'est suspect tout ça. C'est suspect tout ça. C'est suspect. C'est suspect tout ça. C'est suspect. Bah, je sors du cadre. Je sors du cadre, les gars. Vous me voyez pas, je suis caché. Ah, faut envoyer des vaisseaux de guerre là. Ouais, ouais. Et alors, c'est pas mon problème. Non, ça pue le piège à plein nez, ton bordel là. Oh là là, il est marrant lui. Non, mon gars, ça pue le piège à plein nez, tout ça. Ok, alors ça dégage, ça pue la merde ça. Ah, on peut parler aux gens là. On y va tout de suite, on va parler aux gens. Alors, je peux parler. Je sais pas si elle là-bas, je peux y parler ou pas. Je sais pas où elle est, Kira. Bah, Kira, je peux pas y parler. Non, je peux parler qu'au droïde. Alors, le droïde, ouais, vas-y, ça va être vachement intéressant. On va parler à un petit robot qui fait des bip bip. Je te jure que ça va être cool, hein. Non, mais ça va être cool, hein. On va parler à un robot qui fait des bip bip. Tu vas voir, ça va être extra. Il est où ce con de robot en plus? Eh, hey, connard de robot, faut que je te parle à ce qui paraît. Hein? Qu'est-ce que c'est ce souvenir de... Ah. Celui qui avait changé de voix et travaillé pour Maître Zalo. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ce bordel? Maître Jafou, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est le robot qui va nous expliquer qui est d'accord. Laisse-moi deviner, il est mort. Jafou était encore en vie.
Je suppose qu'il aurait essayé de te... Ouais, c'est vachement intéressant ce que tu racontes, petit droïde. Petit droïde, c'est vachement intéressant ce que tu racontes, ouais. Ouais, alors... l'histoire ancienne s'en bat les couilles. Je te parle d'une époque et moins de 20 ans ne peuvent connaître. Oh, on sent pas les couilles de ton ancien maître, c'est un Jedi, il est mort, c'est que c'était une merde, hein, excuse-moi de l'expression, mais s'il est mort, il est mort. Hein. Bon courage, il t'en faudra, l'ami. Alors ça prend pas bien, ça capture pas bien, ou alors c'est moi qui ai une caméra de merde. Mais ça capture pas bien. Faut dire que c'est extrême. Ce que je suis en train de faire est extrêmement lourd pour le PC. Hein. C'est horrible. On s'en rend peut-être pas compte, mais moi en jeu, je m'en rends compte et c'est horrible. C'est absolument horrible. Bon, on a combien? On a 21. Bon, bah c'est pas mal 21, dis donc. La prochaine fois, on ira sur cette fameuse station minière, je pense. Donc on va se mettre là, comme ça, tu vois ici. Et puis je vais vous dire, eh bien, que la force soit avec vous et à plus pour la suite.